Le Havre Racing Club de Lens, c'est un classique du championnat de France. C'est de Rudy Rioux. Il a tête d'Ahmed Kantari pour tenter d'écarter le danger avec une petite faute, oui. Mais sur les premiers ballons havrais, alors qu'on revoit là, juste à la limite de la surface. Déjà, c'est des. Le jeu de Riyad Mahrez, le milieu de terrain algérien. Et du coup, ballon récupéré. Mesloub qui s'est retourné. Toute l'aisance technique là aussi de Walid Mesloub avec Mahrez. Alors, c'est la surface de réparation. Mahrez, ça va passer à côté. Début de Rudy Rioux. Il va être rassuré. On connaît le potentiel offensif de joueur. Ouais, au départ de l'action, c'est. Contreuil, cette fois-ci par Edgar Sali. Et pas de hors-jeu, pas de hors-jeu pour Mahrez. Dans la surface de réparation, le ballon rentré avec la frappe. Soit sur son meilleur pied, le milieu de terrain vrai. Et c'est la barre transversale qui vient finalement. Encore une fois, la part de Mesloub, une touche vers Dingbomé. Mahrez qui va attendre la solution apportée dans son dos par Louviron. Mahrez qui cherche à se mettre sur son pied gauche. Il va jouer latéralement avec Bonnet. La frappe d'Alexandre Bonnet. Oh, ça passe juste. Et très bonne sortie du ballon de Saïs avec Mahrez. Mesloub dans son dos, Mesloub dans la surface. Encore une fois, Alexandre Bonnet qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Dossier poteau. Oh, avec aspiration. Mahrez, ça passe au-dessus des buts de Rudy Rioux. Il semble libéré. De Riyad Mahrez. Ah, il aurait mérité d'aller au fond, cette balle. Geste signé Riyad Mahrez. Pour l'instant, ils sont bougés, véritablement défensivement, les joueurs d'Antoine Comboiré. Ouais, il va falloir côté Lensois qui ferme les côtés. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu pour Mesloub, hein, casse mentalité. Oh, c'est mérité au vu de la superbe réaction Havre. On parlait en ce début de rencontre de l'efficacité offensive. Il fallait que ce soit retrouvé côté Havre. On su mettre leur jeu en place petit à petit. À l'image de Montbri qui pose beaucoup de problèmes aussi. Mahrez, de la défense lensoise. Avant ce sixième. Riyad Mahrez qui a plus qu'à s'appliquer de l'intérieur. Ah, il se gêne à deux. Il ne regarde pas où sont les adversaires directs. Rivière. Encore une fois dans son rôle de pivot, la virgule de Mahrez. Face à Ludovic Ball, il récupère le ballon. Mahrez, il tentait de trouver. Sur les visages havrais qui prennent énormément de plaisir. Ah, puis dès qu'il y a un joueur qui prend une initiative, il y a tout de suite du soutien autour et c'est ce qui fait la différence. Ah, son rebonnet était totalement seul au deuxième poteau. Beaucoup trop d'espace, hein, laissé par les Lensois. Ils sont pris dans le dos, ils sont pris sur les. La nationale a fait du bien au Havre. Pour preuve cette première période. Mahrez. Et on en restera là. C'est la fin de ces 40. Là, maintenant, le match n'est pas fini. Donc, il va falloir faire une très bonne deuxième mi-temps-ci. Merci à vous. Et c'est reparti pour cette deuxième. Ah, il souffre les Lensois. Dans l'impact, dans la détermination. Oh, les temps faibles, et ils sont capables dans les temps faibles de garder ce ballon. Au deuxième poteau vers Sao, et le ballon de Kantari. Repousser la frappe de Mahrez, ça va. Mais toujours cette. Ouais, puis on utilise toujours les côtés, Xavier. Hein. Là, c'était le côté. Cette saison, meilleur buteur du Racing la saison dernière, Johan Tousgar. Et attention à l'accélération de Sao qui est passé face à Kantari. Sao, tout droit du futsal. Troisième match de Ligue 2. Ensuite, adressé, ça fait vraiment très mal pour les Lensois. Voilà, on le voit accélérer et prendre le dessus. Danger, ça ramène un pied de Saïs. Mesloub, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Mahrez. Qui va attendre des solutions dans cette surface. Riyad Mahrez, tenter de passer sur l'extérieur. La feinte, la première, la deuxième de Mahrez, le centre pioche. Eric Monvert, également à l'intersaison. Tristan Dengomé, qui était pareil, hein, comme beaucoup de joueurs formés à l'AS Monaco. Ah, les Havre en ont vraiment profité. Ils ont des très bons joueurs de couloir. Et en plus, ils ont été décisifs cet après-midi. Et Mahrez avec Moussa Sao. La sortie. Belle ovation là aussi réservée à Riyad Mahrez. Remplacé par Distel Zola. Buteur. Ah, et ça chante du côté des supporters Havre.